Un peu morose, irritable, déprimé? Vous n'avez pas la possibilité ni le temps de pratiquer vos activités culturelles et sportives habituelles? Pas de panique! Un shoot d'endorphine et c'est reparti! Antistress naturel, l'endorphine est une hormone sécrétée par les glandes cérébrales et qui provoque l'euphorie. Stimuler les endorphines peut aider à atténuer certaines douleurs et à réduire le stress, ainsi que les symptômes dépressifs, car elle procure une sensation de bien-être et de relaxation. C'est bien beau tout ça, mais comment inviter votre cerveau à produire plus d'endorphines, même privé de vos sports favoris? Car si l'activité physique et la pratique des sports dits extrêmes comme le kitesurf, la chute libre, permettent de faire produire à notre cerveau beaucoup d'endorphines, d'autres méthodes beaucoup plus simples et moins risquées existent. Voici donc 7 façons d'augmenter naturellement et facilement votre sécrétion d'endorphines. Solution numéro 1, rire le plus souvent possible. Le rire est une solution simple, gratuite et rapide à mettre en œuvre pour se sentir mieux, presque instantanément grâce à la libération d'endorphines. Essayez par exemple de rigoler régulièrement en faisant des blagues à vos amis, vos proches, en racontant des histoires drôles ou pourquoi pas en regardant les compilations Fail et Crash sur l'App TV. Ah, l'App TV à votre service. C'est facile de rire au quotidien lorsque l'on prend la vie du côté Life is a bitch. On se prend pas la tête et on en profite. Deuxième façon de booster votre production d'endorphines, favoriser les relations sociales. La connexion avec d'autres personnes, qu'elles soient directes ou indirectes, libère de l'ocytocine et d'autres substances qui vous aident à vous sentir calme et réconforté. Vous pouvez aussi booster votre production d'endorphines en adoptant une alimentation santé. Votre alimentation est essentielle pour booster la sécrétion des endorphines. Certains aliments sont en particulier à privilégier car ils sont parfaits pour prendre soin de votre cerveau. Les aliments riches en nutriments peuvent ainsi améliorer la façon dont vous vous sentez et vous pensez. Quatrième méthode pour produire de l'endorphine, utiliser son odorat. L'aromathérapie et les odeurs agréables en général sont liées étroitement à la libération d'endorphines. Les senteurs d'huiles essentielles comme la vanille, la camomille, la rose et la lavande peuvent en effet agir comme un booster de sécrétion d'endorphines et vous aider à vous sentir plus calme presque instantanément. Cinquième booster d'endorphines, passer du temps dans la nature et s'exposer au soleil. S'exposer au soleil pendant 20 minutes par jour aide votre peau à absorber les rayons UV et à produire de la vitamine D, ce qui est important pour votre humeur et ce qui déclenche une grosse production d'endorphines. Le soleil semble également aider à réguler la libération de substances neurochimiques comme la sérotonine et la mélatonine. Sixième booster d'endorphines, se faire masser. Et qui n'aime pas se faire masser ? C'est tellement reposant et ça fait tellement de bien. En fait, cette sensation de bien-être ressentie pendant le massage est directement liée à la production d'endorphines. Des chercheurs ont d'ailleurs découvert que les massages réduisaient les niveaux de cortisol, hormone du stress, de 31%, tout en faisant augmenter les niveaux de dopamine et de sérotonine, respectivement de 31% et 28%. Alors, à quand votre prochain massage ? Septième et dernier booster d'endorphine, écoutez de la musique ou des sons agréables. Peu importe que vous aimiez le rap, le jazz ou le classique, l'important c'est d'écouter régulièrement vos chansons, playlists préférées. Des sons familiers ou des bruits de la nature peuvent aussi s'avérer être de véritables boosters d'endorphine. Le bruit de la mer ou de la pluie par exemple. Le plaisir intense que l'on ressent en écoutant sa musique ou ses sons favoris stimule la sécrétion de dopamine par le cerveau. Ça tombe bien, tiens. Vous trouverez sur l'App TV une playlist Power of Water avec des sons de la mer et une playlist Beach Music.
L'AppTV à votre service, l'AppTV votre dealer d'endorphines. Allez, c'est la fin de cette vidéo, à vous de jouer maintenant. Boostez-moi vos endorphines. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas, life is a bitch, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, bye bye.